Hello tout le monde, c'est Silent et on se retrouve sur Binding of Isaac Repentance. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer du coup cette fois, vu qu'on a fini Forgo? On va pas reprendre The Lost, tout de suite. On n'a pas testé Eden, Lazare on a testé, ouais c'est le flip. Jacob, je sais plus. Ah mais oui. En fait j'avais complètement effacé de mon esprit, mais oui c'est bon. Je m'en souviens très bien. Putain, j'ai réussi de boss rush avec cette merde, c'est incroyable. Écoutez, on va tester bêta. Je sais pas ce qu'elle fait. Let's go. Weaker items, donc elle a des items plus pourris. Les mégatons, ok. L'air d'avoir des bons dégâts et une bonne cadence de base, donc pas trop mal. Ok, juste faire un truc, mon setup. On va juste faire ça aussi au passage. Ok, ça m'a fait un... Je vais me prendre des dégâts, pas encore. Ok. Attends, tac, ça se recharge normalement, on dirait le machin. Ah ouais, elle stocke des points de vie rouges en fait maintenant, regardez, à gauche, je viens de voir ça. Bon, ouvrons ça quand même. Du coup là je le stocke. Ouais, je le stocke, ok. Bah très bien. On va essayer de sortir comme ça, c'est un peu différent, mais ça devrait le faire. Que toujours ces petits wisps, et puis maintenant c'est même pas sur l'activable, donc c'est peut-être encore meilleur. Mais du coup, je sais pas c'est quoi ce wisp qui fait des contacts damage ou... Aucune idée. J'aurais bien voulu avoir une bombe par contre, mais là, on a rien du tout. C'est un peu dommage. Ouch. Ah ouais! Le wisp l'a littéralement one shot en fait. What the fuck? Eh ben, flippant ce perso. S'il y avait... Tant pis pour le caillou, tant pis pour le coffre, ça fait chier, tant pis pour les bateaux quoi. Alors, let's go. Alors, je sais pas si cette version de bêta peut qu'avoir Satan, vu que l'hôtel pouvait avoir l'ange uniquement, je crois. Je sais pas du tout comment ça marche. J'ai déjà 7,47 dégâts, c'est énorme. Pyromaniacs quoi? Sun bomb quoi? Attends mais... Ça va pas donner l'effet de l'objet non, je vais pas. Ah, ça copie. Le wisp de cet item là, quand j'active, je pense. Nul, on va prendre ça. C'est pas forcément meilleur, mais ok. Je pensais toucher, il m'a pas eu. Incroyable. Le marchand, on n'a pas de clé de toute façon et on n'a pas les thunes non plus, donc on s'en fout. Troll bombe uniquement, on se barre. Alors je vais laisser ramasser les autres trucs, l'autre quand même. Il y a un mec qui me libère la bombe et le coffre si possible. Hop, chier de cœur, on peut en faire plaisir. Hein. Attends, mais ça m'a fait un pet. Mais quoi? What?
What the fuck, c'est pété ce perso. Et j'ai gagné les effets des tirs électriques, mais c'est complètement broken. On fait même pas un de plus. Encore un pet. Bon, je capte pas trop ce qui se passe les gars, mais ça m'a l'air complètement cassé comme perso. Je vais laisser ressortir, histoire de peut-être le finir. Ouais, rentrer à nouveau. Ok, non. Hop. Donc si je refuse le pack, j'ai quand même des chances d'avoir l'ange, donc partons là-dessus. Ouais, le perso a l'air complètement craqué. Je comprends pas. Ah, c'est pas que pour l'étage. Non, non, c'est... Ok, bon bah... On gagne des passifs d'items, je crois. Hein. Même des pets. C'est complètement broken, quoi. Encore pire que l'autre. On va prendre ça. Soit on peut déjà faire le boss. Je pense qu'on le défonce. Ah, pauvre boss. Ok, un petit tir zop, c'est pas plus mal. On peut avoir pas forcément plein de passifs. Je sais pas trop. J'aime bien ce que j'ai là actuellement, donc j'aurais peut-être pas les changer. Parce que ça fonctionne bien pour le moment, donc y'a pas de raison. Je vais chercher autre chose. Oh putain, la mouche a failli faire sauter sur ma gueule. Ça aurait pas été très cool. J'ai pas de clé, non, maintenant. Pas ce genre de run, quoi. Bon bah merde hein, pour le moment c'est chaud. C'était ça. Ouais bah let's go. Il n'a pas été one shot cette fois. On va prendre ça. Ça rajoute des cœurs, c'est peut-être meilleur. Ce sera pas des vrais cœurs vu qu'elle peut avoir que des Star Alert, mais bon. C'est quand même mieux. On peut se transformer en The Lost et aller faire le reverse. Mais on va déjà aller voir le marchand. Non, pas le marchand, on va aller à la salle de reverse. Plus important d'avoir déjà notre item. Prenons ça. Bon, bah merde. C'est pas très grave d'avoir perdu juste une pièce. On va quand même réactiver. Ouais, pour le moment ça s'accumule encore, donc c'est pas trop. Peut-être quand je prends un coup ça se... Ça en enlève un, je sais pas trop. Ouais, c'est fort. C'est vraiment très fort. Je me suis fait toucher. À
Alors je sais pas si c'est moi qui ai eu de la chance hein, sur le build hein, mais putain c'est violent. Ah on a perdu notre pet. Bon c'est pas grave hein. Là c'est très bien comment ça. Trop bien je dirais. 49 Tails c'est excellent. C'est dommage qu'on puisse pas ramasser ces cœurs rouges pour les stocker par contre. Bon. Pas grave hein, on va s'en passer mais ouais c'est un peu dommage. Alors, bim. Ouais, c'est violent. C'est vraiment trop violent. Bah, je crois qu'on a de nouveau un perso des plus pétés du jeu, quoi. Hein. C'est vraiment ça, quoi. C'est abusé. On n'a pas une seule clique à drop. Tant pis. On va aller dans les mines, hein. Le perso est complètement craqué, donc... poser de problème je pense. Ouais je suis allé inspecter la petite salle là-bas en bas. Sacrificial room. Ok. À gauche. Ouais. Ah, tu sais quoi, on va la faire sauter, on a 3 bombes de toute façon. Putain, c'est. Waouh, 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 waouh. Juste. Waouh. Cool. Non, bah écoute, on va tester la nouvelle mom directement, je pense. Hein, parce que là, vu le build, je sais pas si c'est de la chance ou autre, mais waouh. Ah, il y a un qui est marqué là aussi. Dommage. Ouais, parce que là, je vais pas mentir, hein, c'est pas le build hein, qui est fou. Hein, si je te. Ah merde, je vole plus, c'est vrai. My bad. C'était pas voulu. Tant pis. Du coup on a avalé le truc qui donne le cœur éternel, bon bah faudra trouver un autre trinket. Allons-y. Ça c'était justement le dé qui faisait le nouveau de The Lost je crois. Si je me trompe pas. Bon, on se fait TP en tous les sens, c'est rigolo. Ah, j'ai pas vu. Alors on va reclaquer un truc, clip shots. Faire la reine. Ah, let's go. Je vais ouvrir le marchand, je pense. Wouah, tout ça pour ça, nick. Ah, il tire sur mes petits machins. Ça les tue pas directement, donc ça va, ils sont assez solides quand même. En tout cas, est-ce que ça change quelque chose? Non, on est complètement broken déjà. En soi, les deux sont bien, mais ça, il va falloir quand même pas mal de sour alert. Ah, c'est compliqué. Hein. Bon, on teste, on verra bien. Oh non, pas lui.
gardien. Damage and Ranger, ok. Ah, ça en est bien sorti. Hop. Tac, tac. Ouais, il est broken ce perso. Vraiment, il y a pas d'autre mot, les gars. Ah, bah ça les met directement. Ah, oh, c'est vachement bien, du coup. Ouais, ça va être fait automatiquement. On va prendre à droite. Double tap to glitch. Je sais pas vraiment, mais je crois que ça permettrait d'avoir des salles dorées peut-être quand on prend la cathédrale. On fait déjà le boss. Alert. Allez, let's go. J'en ai perdu un. Broken modem caproc, mais what? Et le pire, c'est qu'on stack tellement de d'HP, quoi. Genre, on est vraiment tranquille, quoi. Donc on peut activer 20 fois notre machin sans prise de tête, c'est vraiment violent, quoi. On est perdu un nouveau. Ouais. Bon allez, on va déjà faire ça. Je garde quand même les stats de mes machins ou pas, vu qu'ils tournent avec moi. Je sais pas, ça me paraît bizarre qu'elle commence à 2,73 de attack speed, donc peut-être qu'on garde, je sais pas. Maybe I'm wrong, maybe I'm right. J'en ai aucune idée, franchement. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Allez, let's go. Shit. Allez hop. Oh, c'est trop loin, putain, le boulet. Je passe à le choper la carte.
Ok, let's go. Cool. Du coup, on va se barrer. On va devoir sacrifier 2 points de vie. C'est chaud, mais bon, pas le choix. Hein. Ouais, ça va le faire. Allez, bam, bam. Je me disais, est-ce que j'en sacrifie un de plus pour la reine sanglante, mais non. J'ai peur, je crois qu'il y a rien qui a la spawn. Ça c'est vachement bien, ça c'est pas trop mal, ça donne 2 et ça change les loups. Bah, on est vachement bien là. Pour le moment, cool. Bon, ça va. On a absorbé le trinket. Qu'est-ce qu'il fait alors? Press the room and chops will appear in the cathedral. Ok, bon, bah, c'était pas ce que j'avais dit. Let's go. Empress, c'est quoi l'autre? La Sun, bah, vas-y, claquons de Sun. Ok, retournons de l'autre côté parce qu'elle a la reine. Enfin la reine, on s'en fout un peu de la reine, mais ça peut être bien, c'est des bons coffres. Mais surtout la salle d'oreille. Première fois que j'ai cette salle là, c'est pas évident. Ok, on va juste marcher là-dessus. Il m'en a cassé un, je crois qu'il m'en a cassé un. Oh merde, le misclic. Fallait que ça arrive, hein. Tant pis, hein. Bon. Ce qui fait exploser les ennemis, ça, je crois. Hein. Dirty Mind, bon. Pas forcément ouf. Bon, allez. Fais chier. Putain, la flaque. Bon, je dis ça, fais chier, merde, mais ça va, on est vraiment safe en soi. Plutôt tranquille quand même. La grande salle là, je vais pas la faire, elle m'apporte rien. On est bien au niveau du stuff, donc je vais pas aller chercher plus de choses spécialement. Donc. Simplement aller au marchand. On a de la thune à dépenser. Allez hop, on prend quand même. On peut se faire troller là-dessus, mais c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Tac, continuons. Ça là-bas, juste le pattern, ok, c'est juste ça tourne. Ouais, bon, pas grave. Ah, la Broken Watch qui a proc en accéléré, pas cool. Parce que comme je le dis souvent, c'est les boss que je connais le moins, vu que c'est rare qu'on va au mausolée quand même. Je n'ai pas encore bien leur pattern.
Ça devrait le faire. Dommage la dog food. Bon, mieux que rien, disons. Let's go. Avoir encore un HP up. Ah, l'arène sanglante, je peux jamais y aller. Je lui donnerais bien des points de vie, mais là, vraiment pas tout de suite. Ouais. Hop. Bon, on a l'accélération qui a de nouveau proc ici. C'est mieux que ça proc là qu'ailleurs. Allons lui donner des points de vie. Reverse Death, c'est la première fois que je la chope. Chills down, pas cool du tout. Bon, il y a des Reverse Death. Enfin, en tout cas, c'est énorme. Oh, de nouveau. C'est quoi lui? On va le faire sauter. Normalement, ça augmente les chances de l'ange si je dis pas de conneries. Ouais. Bam. Par là. Ok, celle du boss trouvée. Point de vie, des points de vie. Aïe 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 aïe, putain de merde. Ah, des sauleurs, il m'en faut. Euthanasia, bon, c'est pas trop mauvais, prenons. Le sauleur qui tombe, ça fait plaisir, merci. Thunes quand même. On va clean le reste histoire de trop choper encore des sauleurs si possible. Ce serait vachement bien. On a 150 points de vie accumulés de côté pour activer 1000 fois notre boucle là. C'est chaud quoi. Ok, bon. J'aimerais bien encore un cœur ou deux à l'autre petit bonhomme là, mais c'est risqué, mais j'ai bien envie quoi. Ok, allons-y. Hein. Attends, on va faire ça aussi.
Allez, fais pas le rapace quoi. C'est pas possible. Bon allez, hop, on descend encore un peu. Oh mon dieu. Really? Ah putain. The sun. Ok, on a la salle secrète qui est dévoilée. Acheter ça au cas où, ça au cas où. Je sais pas si je l'ai fait péter le marchand de base, je crois pas. Hein. Non, je l'ai pas pété un. Là. Ça augmente les chances, on va vite voir la salle secrète. Parce que là, 2 points de vie, j'ai pas une descente plus basse. C'est très très bas déjà. On a 2 boss à faire à la suite, faut pas oublier ce détail. Je crois que ça c'est un peu mieux, mais je suis plus trop sûr. C'est ça de l'enfer. Ok, bon bah. Boss. Je vais voir ce que fait Death Reverse du coup. Death. Bim. Alors, activates the book of the dead effect, spawning a bone orbital or charmed bony for each enemy killed in the current room. Ok. Bon, pour l'activer après avoir fait la mom là. Ah Michael, je tonque là le caillou gris. C'est pour ça que je reste par là. Yes. Ok, alors déjà on va hop et puis je vais prendre la pola, ça donnera un peu plus de protection quand je prends des coups, ça fait le shield. Hop, on va y le couteau là-bas et puis j'en ai 4 de machin je crois. Ouais. Oh shit, quand je tue pas directement. Ok, ça va. J'ai shielded tears, du coup ça nique un peu mon build quand il y a beaucoup de larmes. Ah, c'est extrêmement chiant les shielded tears là, j'ai pas à vous mentir. C'est bien hein, pour se défendre hein, mais là. Mais merde! What the fuck is that? J'ai jamais tué aussi lentement, du coup, ouais, c'est un peu. Waouh! J'en ai 4 et 5. J'ai plus de points de vie de côté, hein. Waouh, comme quoi ça part vite, hein. Bon, j'ai 2 wire codes qui ont proc par contre. Donc, niveau cadence de tir, ça va augmenter. Là, on gagne un cœur en plus. Non, ouvrons ça. Dommage. Ok. Bah ouvrons. Hein. Chiant. Les cœurs éternels qui tombent, vraiment, c'est un don du ciel, donc on va pas s'en plaindre. C'est quoi tous ces lock-up? What the fuck? Ah!
ça m'a fait peur. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Non, ça va pas le faire. Ok, bah let's go. Ah. Needle shot cap proc. Ok. Pas ouf, mais on prend. J'ai l'impression qu'il y avait un mob qui était collé à moi, mais j'arrivais pas à le voir, c'était assez bizarre. Bim, une petite clé. Hop. Continuons par là. Hop, c'est cool d'avoir des stacks de cœur à nouveau, comme ça on pourra réactiver notre skill plein de fois s'il faut. Bon, ça on pourrait déjà faire le boss, y'a rien qui me retient. On a 60% plus 37%, ouais, forcément spawn. Oh non. Bon, au moins il est slow down. Je me dis souvent, c'est vraiment les boss que je connais le moins et du coup, leur pattern. Il est un peu éclaté quand c'est moi qui joue quoi. Bah, let's go hein. Séraphin qui proc, plus 15 de TK. Ah bah, ça c'est un plaisir par contre, je vais vous dire que là. La clé qui est formée, mais bon, méga Satan, on peut pas y... Il devrait mettre des portes de méga Satan dans chacun des trucs, comme ça, tiens, on peut les faire, même si, voilà, bon. C'est pas grave, mais, ouais, bon. J'aurais plutôt tout enchaîné, quoi. Body Crown, je crois que c'est l'inverse de celle qu'on a eu avant, hein, donc... on peut aller là-dedans, on perd plus qu'un cœur, ça peut le faire. Ah bah ça, c'est un peu moins cool. Ça va le faire. Tac, maintenant qu'on vole, on peut récupérer ces trucs gratuitement là. On va faire vite fait le reste au cas où il y a des sorts qui tombent, parce que comme ça on est full life pour l'étage suivant et puis après on pourra se remettre bien pendant l'étage suivant au cas où en faisant le plus de salles possible. Comme on essaie de faire là. Ouais. Ah, le sacré dehors, t'as avec les larmes qui partent dans tous les sens, ça a vraiment aidé quoi. Vu que ça fait un angle en fait qui est un peu chaud à viser, je vais pas mentir, hein, c'est vraiment pas évident. Du coup, c'est vachement cool. Encore un luck up, mais c'est dingue. Mais écoute, on avait rien, donc c'est cool. Bah, ça, on va pas dire non. Ok, ben let's go. On a tout fait, on a juste pas fait l'arène, mais je m'en fous un peu. Il y a la deuxième salle secrète aussi à trouver, mais ça va rien m'apporter de spécial. Barrons-nous, je pense que le boss, on va le défoncer. Faut rester positif. Faut qu'on se dise, ouais, on va le défoncer, même si c'est pas le cas. Au moins, on met plus de chance de l'autre côté au niveau mental. Mais le perso est complètement craqué, hein. Ça, je change pas d'avis là-dessus. Complètement craqué. Speed up, c'est excellent pour les dodges. On va en avoir besoin. Ouais, puis surtout, comme vous le voyez, je tire et les larmes qui partent dans tous les sens normalement, bah elles reviennent sur les mobs. Et ça, c'est excellentissime quoi. Ouais, Secret Heart là, c'était vraiment god tier item en termes de choix. Déjà que c'est pété de base, mais là, avec ce build, ça m'aide vachement bien. Ah merde! Ok, moi qui est bon. Nul. Ermite.
merde, je me fais toucher par des trucs, je vois même pas en fait, je suis complètement aveugle. J'ai bien envie de tester d'aller là-dedans quand même. Ah, pas ouf. Pas ouf du tout. Mauvaise idée, pas grave. Alors... Je t'ai testé Kamoki. Normalement, tant que tu tires pas, les ennemis te voient pas. Ah, c'est ça. Hein. Du coup, tu peux te replacer où tu veux. Allez, des petits poupards quand c'est avec moi. Mais c'est vraiment de la merde, hein, Kamoki, en soi. Laftan serait peut-être meilleur. Hein. Là, quoi, on a un item de Guppy. Ouais, on a la queue. Si on va choper deux autres de manière random, pourquoi pas. Hein. C'est pas moi qui vais dire non en tout cas. Pourquoi pas. Ok. Deuxième salle secrète là trouvée. Ouais, c'est cool hein. On va faire le reste histoire de choper peut-être des Soulheart hein, juste pour ça. Ça, non, non. Ouais, ok, ça peut être sympa Kamokid quand t'es vraiment dans le bousin, mais. Bah non, vu que ça révèle tout, ça me bloque la salle, c'est nul. Ah, j'en ai plus que 4. J'ai fait une connerie, j'ai pris un dégât, c'est pas grave. Ça m'a ramené près du boss. Bon bah let's go, on reste confiant. Je pense que ça le fait en vrai. Tant qu'elle balance pas son gros caillou au début là, ça devrait le faire. Waouh. Qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est les caca arc-en-ciel qui font ça quand ils crèvent, je suppose, mais waouh. Oh shit, je l'ai envoyé au mauvais moment, quel con. Est-ce que je peux activer mon autre item? Oh, je peux. Oh. Ah, ça c'est fort par contre de pouvoir. Je crois que le deuxième item aussi. Oh là là, c'est fort. What the fuck, j'aurais pu le spammer quoi, le Bob the Rotten Head. Oh, c'est pété. C'est pété. On a débloqué Beth's Essence. Donc voilà. Je dis d'avance hein, complètement craqué hein. Ça c'est un perso qui est... C'est interdit, c'est illégal ce genre de perso, c'est trop fort. Bah voilà, premier run fait avec, premier run gagné. C'était pas très dur mais bon, rien dire. Likez, partagez, commentez. Et puis on se retrouve très bientôt. Et puis bah voilà, c'est tout. Allez, ciao ciao les gars, abonnez-vous.